Bon, alors, petite question, Jacques. Qu'est-ce qui attire un mec dans des trous de galerie comme ça? C'est quoi qui est... À ton avis, toi, qu'est-ce que c'est le fait de... C'est l'aventure, c'est le... La spéléo, c'est plus la découverte, en fait. La découverte, c'est... Ouais, aller voir... Ouais. Voilà. Aller voir ce qu'il y a derrière, quoi. Aller voir ce qu'il y a derrière, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pas... Après, quand tu pratiques beaucoup la spéléo, après, tu as d'autres motivations, c'est essayer de faire la première, c'est essayer de découvrir des nouvelles galeries. Voilà. Oui. De dire, ah tiens, ça, si c'était en rapport avec ça. Et... Oui, puis aller voir ce qu'il y a derrière. Donc après, là, dans les galeries, là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, découvertes, etc. Mais après, il y a des escalades depuis pour aller choper les galeries supérieures et tout. Voilà. Il y a des obstructions. Les galeries, on pourrait imaginer qu'elle est. T'imagines une galerie obstruée. Bah, via les cailloux, via la glaise. Et puis après. Ah oui, carrément. Ah ouais. Il y a des chantiers énormes. Il y en a qui se sont mis des chantiers, mais gigantesques. Alors, il y a des trucs qui ne payent pas, puis des fois, il y a des trucs qui payent, quoi. Ah oui, tu vois un éboulis, tu dis, là, je suis sûr que derrière. Il y a une grotte, grotte roche dans le massif du Vercors, dans les gorges de la Bourne, là-bas. C'est une grotte qui était connue depuis super longtemps. Et au fond, il y avait un remplissage de sable. Et puis, il y a un club, ils se sont mis là-bas, ils se sont mis un chantier. Ils ont gratté. Alors, je ne me souviens plus combien de temps ils ont mis, mais enfin, je dirais plus d'une paire d'années, quoi. Et puis finalement, ça a débouché, puis derrière, il y a une énorme galerie. Donc là, ils étaient heureux, les mecs. Ouais. Puis, c'est devenu une grosse classique, parce qu'en fait, c'était même pas dur, quoi, ce qu'il y a derrière. Donc en fait, maintenant, il y a. Et donc, c'est aussi c'est le plaisir d'aller. Ce que je me demande, moi, c'est est-ce que c'est le plaisir d'aller trouver, genre, la grosse salle avec des. Tu vois, d'une belle. Hein? Ou alors le plaisir d'être dans des putains de petits boyaux tout minuscules et que ça passe, et que ça passe, et que ça passe, et que ça passe. Bah, en fait, c'est que ça passe, surtout. Ouais. Pas la galerie, une grosse galerie tombée sur une grosse galerie derrière avec des concrétions, bah, ça c'est la série sur le gâteau. Ouais. Voilà. Hein, mais le fait que, bah voilà, ça continue. Donc, c'est pas après, la fin. Puis après, t'as aussi un aspect des spéléologues. Tous les spéléologues sont aussi un petit peu. Scientifique, c'est-à-dire que dans le sens où quand on fait une première, c'est pas simplement le fait, ouais, on a fait une première, on a continué la galerie, voilà. Non, en même temps qu'on fait la première, on fait la topographie de la première. D'accord. C'est-à-dire que on mesure la distance, on mesure l'inclinaison, le relevé, la direction, ouais. Hein, donc afin de compléter le topo de la grotte, hein, et avoir une image. C'est vrai que les spéléologues ont énormément été utiles dans des massifs comme le Vercors, par exemple, pour creuser des puits, pour trouver de l'eau. D'accord. Voilà. Ah oui, ok, ok. Donc, en fait, grâce aux spéléos, en forant un puits dans les zones où il y avait vraiment trop peu d'eau, peut-être qu'ils ont pu tomber sur le siphon qui va bien et puis pomper dedans. D'accord, quoi, d'accord. Par exemple. Ah yes. Je veux pas te couper. Toujours un aspect scientifique. Mange ta pizza, hein, parce que. Oh, t'inquiète, elle va pas refroidir. Hein, tu as bien froid. Risque pas d'être plus froid, là, putain. On s'est pelé le jonc, mais vous pouvez même pas imaginer. Là, on ressort. Il doit faire quoi? 12. Mais ouais, on a l'impression qu'il fait 40. Ah, putain. Et tu sors de ça. T'as les odeurs qui. T'as cette espèce de petit bazar, là. Tu vois, ces petites plantes, là. Tu sors, il y a ça qui sent de dingue. Et alors? Moi, ce que j'aime bien, parce qu'on a pas mal parlé avec Jacques, ce que j'aime bien, c'est les espèces de concordance, en tout cas de parallélisme, de ressenti qu'on peut avoir entre moi, toi tu fais de la musique aussi, hein, mais quand je fais de la musique, je sens cette idée d'être dans l'énergie du présent, de la sensation, etc. Et alors, une autre de tes activités, beaucoup, que tu as fait beaucoup, c'est le fait d'ouvrir des voies de montagne, c'est-à-dire soit en alpinisme, soit en escalade plutôt. Ouais. Et donc, c'est quoi un mec qui ouvre des voies d'escalade? Wow, la question. C'est un peu le même, truc que les tuyaux. Pour moi, c'est... non, pas tout à fait. Il n'y a pas cet aspect scientifique.
Oui, d'accord. Vraiment l'aspect des hauts, le spéléologue est aussi un scientifique malgré lui. Ouais, ok. Un grimpeur, non, pas forcément. Mais après, tracer un itinéraire, que ce soit une grande voie ou... pour moi, c'est plus proche de l'œuvre d'art. Ouais, d'accord. C'est-à-dire être capable de lire le rocher. Après, il y en a qui font aussi n'importe quoi, mais enfin bon. Ouais, oui, avec, ça... avec une bonne éthique, oui. Être capable de lire le rocher, savoir si ça va passer ou pas. Ouais. Et imaginer un itinéraire. Puis après, ben voilà. Ça, tu le fais d'en bas, ça? Alors, du bas ou du haut, ça dépend. Ah oui, ok. Okay. Les grandes voies se font du bas. Là, quand tu pars, il n'y a rien. Hop, gravis, puis on s'assure en plaçant des points au fur et à mesure qu'on progresse. Non, soit avec des points amovibles qu'on récupère derrière, soit avec un perforateur, on perce un trou dans le rocher, puis derrière on visse un goujon par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire toi des fois tu montais pour ouvrir une voie, pour l'équiper quoi. Oui. Et donc tu montes avec les perforateurs, avec les batteries. Les perforateurs, la batterie, les goujons. Les goujons, donc la ferraille. Le matériel d'escalade. Ouais, et donc tu montes avec gros bourricots, quoi, avec un peu comme les sacs qu'on a là, genre 30 kilos quoi. Voilà. Bon, j'aime bien les bourricots. Mais en grimpant. On grimpe pas avec le sac. Oui. On grimpe quand même avec le matériel. Hein, voilà. C'est-à-dire que le perfo, on l'a en bandoulière, soit au bout d'une longe qu'on tire, etc. Mais oui, oui. Et alors la question que se posent peut-être les gens, ou comme moi qui n'ai jamais fait de grimpe, parce que les ongles, moi j'ai jamais pu. Hein. Puis aussi peut-être parce que c'est pas mon. Enfin, je sais pas, je pense que j'aurais aimé. Mais pas avec la guitare. Et c'est par exemple. Je t'imagine, parce que là il y a des énormes trucs là ici au-dessus, je t'imagine grimper, tu te dis par là ça passe. Et puis imagine qu'à un moment il te manque des prises, c'est-à-dire que t'es arrivé au bout d'un truc, tu te dis je peux encore y aller, au-dessus il y a d'autres prises, mais là il m'en manque quelques-unes pour passer le pas. Tu fais quoi? Tu dois reculer, tu dois aller plus sur le côté pour aller en chercher d'autres, ça se passe comment? Alors, quand en ouverture du bas, il faut toujours se réserver une marge de sécurité, c'est-à-dire pas une marge. Grimper avec une petite marge, c'est-à-dire que être capable de pouvoir s'arrêter à tout moment, pas se retrouver dans une impasse et puis tomber quoi. Ouais. Enfin tomber, on grimpe, on est assuré. Ouais. Même si on tombe, on va pas tomber. Alors, les points, on les met de façon à être continuellement en sécurité. Et pour pas te prendre 40 mètres d'un coup quoi. Après c'est vrai que y a 3 mètres qui sont tout lisses. Et ben après, ben on fore des trous et puis on utilise les points en progression, on utilise les points qu'on place. Donc ça s'appelle l'escalade artificielle. L'escalade, entre guillemets, libre, c'est n'utiliser que les seules aspérités du rocher pour progresser. Ouais. L'escalade artificielle, ben, c'est utiliser un ancrage, un amarrage, qu'il soit amovible ou des. C'est-à-dire, tu grimpes, là il t'en manque, tu vas faire 50 cm au-dessus, un petit point. Tu t'accroches, tu montes et tu avances. Plus de 50, hein, on les espace, on est un, après on est sur des petits étriers, hein, on monte sur l'étrier, puis après. Il suffit à te tenir. Oui. Ouais, donc tu peux monter un peu au-dessus de ça. On monte au-dessus, et puis après, ainsi de suite. Il y a des grandes voies qui ont été faites. Après, il y a, donc, parallèlement à l'escalade libre, il y a ce qu'on appelle l'escalade artificielle, qui est une activité. L'escalade est multiple. Hein, l'escalade artificielle, c'est une des facettes de l'escalade, où là, c'est une escalade qui est très technologique. Ah oui. Des parois ne se grimpent aux États-Unis, par exemple, dans l'Yosemite, sur la paroi del Capitan, il y a des voies qui ne se font qu'en escalade artificielle. Ah oui, ok. Et la difficulté, ben, c'est la solidité des points qui sont placés. D'accord, faire du bon boulot, quoi. Pas faire du bon boulot, c'est progresser sans, là justement, il ne fore pas de trou, il passe qu'avec des points, des pitons, s'il y a des fissures, ouais, d'accord. Des pitons beaucoup plus petits, si les fissures sont bouchées, et puis après des micro-pitons qui se mettent sur des fissures qui font 5 mm de profondeur, quand encore, s'il n'y a pas de fissures, ils martèlent directement sur les aspérités du rocher des plombs. D'accord. Et le plomb, en se massant contre le rocher, épouse la forme du rocher. Oh là là. Moi, j'irai pas là. Mais ça tient. C'est le mental, quoi. C'est le mental qui fait tenir le truc. Parce que s'il y en a un qui s'arrache, ceux d'en dessous, ils tiennent pas. Il y a tout qui saute. Jusqu'au relais qui, lui, est censé être solide quand même. Parce que sinon, c'est tout le monde au pied. Bah, là, tu dis le mental. Mais en fait, moi, ce que je remarque, et on en a pas mal causé dans toutes tes activités, t'es quand même un mec qui fait du tai chi, qui fait, enfin, tu vois, qui pratique des choses. T'es beaucoup dans l'énergie.
Alors, l'énergie, oui, surtout dans la partie d'escalade sportive. D'accord. Hein, à partir du moment où on a seulement à ne penser qu'à la gestuelle voilà, sur le rocher, là, oui, là, on peut parler de... Il faut être dans le présent, dans la sensation, dans le... La sensation, etc. Ouais. Puis fermer les bras aussi des fois. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça veut dire que quand même un mec comme toi, tu es assez grand, tu fais quand même 1m80 et quelques. Oui, à peu près. Mais t'es pas quand même bien épais. Non. T'es pas lourd. Non. Toi, si tu prends 5 kilos, c'est la mort. C'est plus difficile. C'est ça. Ouais, l'escalade, c'est vrai que... Il y a un rapport poids-puissance qui est vraiment important, pas forcément de la taille importe peu, mais surtout un rapport poids-puissance, à tel point que dans les années 90, il y avait un phénomène d'anorexie chez les grimpeurs. Ah oui, pour gagner en... Pour gagner du poids, là, ils ne bouffaient jamais, quoi. D'accord. Ils mangeaient les jours où ils grimpaient. Les mecs, ça mange de la courgette, mais... Ouais, voilà. Putain. Ouais, ça veut dire que c'est quand même un équilibre. Il faut être affûté, il faut être pile poil, quoi. Tu peux pas la dinde à Noël. Il y a toujours des exceptions. Tu as toujours trouver des grimpeurs avec le bit qui passe par-dessus le baudrier et qui grimpe super fort. Enfin, c'est quand même des exceptions. Ah oui, c'est ça. Ils ont trouvé un truc. La morphologie moyenne du grimpeur, c'est quand même plutôt filiforme. Même si, suivant le style d'escalade qu'ils pratiquent, il faut avoir plus ou moins de masse musculaire. Ouais. Voilà. C'est en rapport avec comment tu grimpes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu... Le style d'escalade. Oui, c'est ça. Plutôt un style d'escalade. Ouais, les grimpeurs qui vont grimper dans des gros dévers, dans des... Ouais, un petit peu plus... On peut fermer les bras, quoi. Les grimpeurs de blocs. Le bloc, c'est comme un Fontainebleau, par exemple. Ouais. Ouais, c'est des rochers dont l'escalade ne nécessite pas de cordes pour s'assurer. D'accord. Ouais. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle des crash pads, c'est deux sortes de matelas qu'on peut transporter, gros matelas en mousse, qu'on peut transporter, qu'on met au pied, puis avec d'autres grimpeurs qui sont là aussi pour parer une chute. Mm-hmm. Hein, mais par contre, il n'y a pas de corde. Ouais. Les blocs font entre 2 et 5, 6, 7, 7 mètres. 7 mètres, ça commence à vraiment être la limite supérieure. Oui, pour ça, quoi. Si on a une gamelle de 7 mètres, on peut la sentir passer, donc c'est de la parade et des matelas. Voilà. Et là, les grimpeurs de blocs sont déjà plus... Voilà. Plus massif, on va dire. Comment grimpeur en falaise, c'est toujours des exceptions. Oui, c'est ça. Ça s'adapte un petit peu au type d'exercice, le truc, quoi. Toi, tu as beaucoup été en montagne, tu as beaucoup fait de spéléo, beaucoup de mais quand même, ce que tu préfères, c'est la grimpe, ouais. C'est ton truc. Parce que il y a un moment où tu oublies tout et tu es juste dans le geste avec le rocher. Plusieurs raisons à ça, c'est qu'en escalade, par rapport à la haute montagne, par exemple, faire de l'alpinisme prend beaucoup de temps. Oui. Déjà, il y a une marche d'approche, parce que souvent la course part d'un refuge. Oui. Donc la veille, il faut monter au refuge, puis le lendemain, prendre la course. Donc déjà, ça prend 2 jours. Oui. Ah oui. C'est souvent incompatible avec les vies de famille. Oui, c'est ça. Donc voilà. Après, puis il y a, comment dire, en alpinisme, tu as quand même une part de risque qui n'est pas négligeable aussi. Oui. Puis dans mon passé, je pense avoir un peu épuisé mon capital chance. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais non, des fois, tu reviens un peu plus raisonnable. Faut pas jouer, voilà. Ouais. Non, mais bon, quand tu as pas mal de copains qui sont passés, surtout en ski de rando ou des trucs comme ça, bon après... Ou les trucs de glace, je sais pas quoi. On va un peu calmer le jeu, et puis l'escalade. L'escalade sur le rocher, c'est tellement multiple, c'est tellement de facettes, c'est tellement varié. C'est de la danse à la verticale aussi. C'est à la fois de la danse à la verticale, on utilise tout le corps, Mais alors là, t'as 63, toi ? Ouais. T'as 63 ans. Et peut-être bientôt 64, non ? Non, 63 là. 63, oui, d'accord. C'est ça. Aujourd'hui ? Oui. Et bon anniversaire, mon poulet. Mais voilà, c'est ça. C'est 63, ouais.
Donc 63, toi tu es encore en forme et tout. Est-ce que tu sens, tu dois sentir une différence quand tu avais 25 ans, mais est-ce que on va pas vers une espèce d'épure aussi du geste qui fait qu'on est plus économe, plus, ou qu'on fait avec les moyens, ou comment ça se passe? Parce qu'il se pose les mêmes questions avec la guitare. Ouais. Quand tu vieillis, les doigts, l'arthrose, le machin, mais on joue pas moins bien. Ouais. Moi, par rapport à, justement, quand tu dis à 25 ans, j'ai pas l'impression d'avoir bien plus de douleur qu'à ce moment-là. Ouais. Alors oui, dans les doigts, l'arthrose, mais j'ai toujours eu mal aux doigts. J'ai toujours eu mal au dos, donc, ouais. Voilà, donc ni plus ni moins. Quoi. Non, c'est... Ce qu'il y a surtout, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui m'a fait modifier ma façon de grimper, c'est fait de pratiquer le tai-chi. Eh oui. Voilà. Le tai-chi... Je grimpe différemment. Ouais. Tout à l'heure, on parlait d'énergie. T'es mieux centré. T'es... Voilà. Ouais. Je grimpe beaucoup plus avec des gestes beaucoup plus justes qui permettent d'être dans une filière d'énergie interne, ouais, plus que dans de la force musculaire. Ouais, ouais. Voilà. Et je vois que par rapport à d'autres copains, à entraînement identique, ouais, bah, limite, bah, j'ai plus de facilité que ouais, dans, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Dans l'escalade. Voilà. Oui, parce que tu es plus connecté ça, à des choses qui sont moteurs, plus que de, et du coup ça s'éloigne aussi peut-être du mental, parce que le mental, lui, il fait pousser le corps, il passe par-dessus, il va contre le corps, alors mental, que lui, il fait bosser l'externe. Oui, oui, c'est ça, il fait c'est bosser ça, le musculaire, c'est ça, parce c'est que ça. C'est une solution de facilité pour lui. Ah oui. Travailler, utiliser l'énergie interne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile que la force musculaire, qui nécessite un peu d'entraînement, ouais, et on a des résultats immédiats. Mais oui, limités. Oui, oui. De toute façon, ils seront toujours limités. Oui, oui, c'est ça. Alors qu'en énergie interne, c'est de l'économie d'énergie. Voilà. Oui, c'est oui. La permatitude. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, t'es aligné avec tout. Tout est aligné. Donc, le geste est... Voilà. Ouais, on va dans une épure. Et oui, mais ça se ressemble quand même. Hein. Putain, entre oui, la musique... Franchement, quand on cause tous les deux, je me dis, on fait le même métier. Quand je cause avec mon pote ostéo, je me dis, on fait le même métier. Lui aussi, il est sur l'énergie. Et parfois, j'ai du mal à faire comprendre ça. Quand je parle avec certaines personnes qui ont certains profils, tu parles d'énergie, tu passes pour un gland, quoi. C'est-à-dire vraiment, les gens ont du mal à comprendre ça. Oui, mais combien de temps je bosse ça et tel exercice et je fais tel exercice. Mais je leur dis non, c'est pas comme ça que ça va, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire des exercices. Mais c'est pas facile de parler de ça avec tout le monde. L'énergie, tant qu'on n'a pas testé l'énergie, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, tant qu'on n'a pas touché le truc, dans notre société occidentale, ouais. Et on croit ce qu'on voit, puis on voit ce qu'on croit, donc ça dépend, il y a deux types de... Yep, écoute, c'est super, moi ça me plaît. Ça va être bien qu'on fasse d'autres petits voyages tous les deux, non? Quand tu veux. Hein? Yep. Bon, bah, les amis, voilà, c'était une petite interview de mon copain, de mon ami Jacques, avec qui on a fait pas mal de trucs, là, quand même. Hein. Et puis, on vient de se taper 4 heures dans la... 4 heures dans la... On est con. Oui, on est con. On a amené deux guitares, dont une guitare en métal, c'est-à-dire un dobro qui pèse, je pense, 5 kilos. On a amené l'ampli. On n'a pas pris le Philippe. Hein. On n'a pas pris le Philippe. On ouais. était, on est, grosso modo, on était quand même raisonnable. Oui, mais parce qu'il était trop gros. Quoi. Il était trop gros. Ouais, ciao.